matin, tôt le matin, il est 8h34, nous sommes le 5 mars, non, non, nous ne sommes pas le 5 mars, nous sommes le 5 avril 2024 et nous sommes vendredi et c'est la dernière matinale de la semaine et ce sera euh, la dernière matinale avant euh, euh, la semaine prochaine, la semaine du 15, bonjour à elle, parce que je suis en vacances la semaine prochaine et j'ai pris une décision. Il y a des décisions comme ça. Il y a des jours où tu prends des décisions. Attends, je suis en train de me coiffer en même temps. Des jours où tu prends des décisions. Donc j'ai pris une décision. J'ai décidé que euh, j'étais en vacances. Et donc euh, en tant que vacancière, je ne tiendrai pas de matinale. Voilà. Parce que euh, je réfléchissais. Je me disais, ouais, peut-être je vais faire une matinale, machin, tout ça et tout. Pendant les vacances et tout. Mais en fait, euh, c'est les vacances. Et euh... Et euh, il faut que je me repose et j'ai euh, et, et euh, du travail. Euh, je dois euh, écrire, vous le savez, euh, j'ai euh, prévu d'écrire et c'est pour ça aussi que je prends des vacances. Euh, je dois écrire un, un livre et je dois continuer à écrire ce livre que j'ai commencé déjà, bien bien commencé, mais je dois le terminer. Donc euh, je ne vais pas le finir la semaine prochaine hein, parce qu'il y a encore pas mal de taf dessus. Mais je vais avancer la semaine prochaine et comme je vais avancer la semaine prochaine, je ne serai probablement pas là le matin vu que je travaille euh, un peu tout le temps dans la journée, voire euh, parfois la nuit. Du coup, euh, du coup, pas de matinale la semaine prochaine. De toute façon, il y a deux jours où je ne suis pas là, donc euh, laisse tomber. Et, euh, et donc, je préfère comme ça à vous dire, il n'y aura pas de matinale la semaine prochaine. Et puis, si peut-être je fais une surprise, vous serez content de me voir, mais ce ne sera pas dans la matinale, ce sera un autre moment de la journée pour euh, peut-être euh, montrer quelque chose d'autre, genre un jeu ou une lecture de statue ou quelque chose comme ça. On verra. Sachant que j'ai une lecture qui attend là, euh, j'ai hâte aussi de, de lire ça. Je sais que vous avez hâte aussi. <laughs> bonjour Elle, bonjour Garbs, bonjour Ticanis, bonjour Alain. Comment ça va Ça va, la forme ce matin, on avait dit hier que ce matin on allait parler de la politique gouvernementale française. T -t -t oh mince Bah ben là, je, on va parler de du gouvernement, donc ça va pas forcément être joyeux, mais on va s'en moquer. Donc on va essayer de faire ça joyeusement. <laughs> Élève radicalisé. Mm -hmm. On va parler de politique gouvernementale, euh, mais notamment dans l'Assemblée nationale et euh, bonjour truc truc et, euh, et euh, enfin pas dans l'Assemblée nationale pardon, euh, notamment euh, à l'Éducation nationale et euh, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'est parti. Et là, radicalisé le projet choc de Gabriel Attal, pardon, éreinté par les inspections. Oh. Tu sors d'un stream sur les précaires du logement qui vivent dans les campings à l'année. Oh là Oula Oula Ouf. Lourd C'est euh, lourd. C'était qui d'ailleurs ce streamer que euh, je m'inscrive au cas où, euh, s'il stream le matin comme ça, peut-être que je pourrais lui faire un, un... raid. Ça serait intéressant. D'après nos informations, un rapport de trois inspections ministérielles désapprouve pour des raisons de nature juridique autant que sécuritaire l'idée de Gabriel Attal de sortir les mineurs radicalisés de l'école et de les regrouper dans les centres dédiés. Ah, c'était Marcel Et c'est plus. Euh, c'est moi qui le, que je raide, du coup. Euh, bah non, mais il me raide jamais, moi, Marcel. Euh, il vient jamais chez moi. Je finis toujours avant euh, la fin de sa matinale. C'est plus moi qui lui envoie des gens euh, le matin. À 9h, euh, je lui envoie des gens. Mais, euh, mais oui, oui, je connais bien euh, du coup Marcel Duchemin. Enfin, je, je vais regarder de temps en temps, mais je vous envoie souvent chez lui, euh, en fait. Un article donc Mediapart, euh, écrit par Mathilde Mathieu et Antoine Rouget, qui a été publié le 15 février dernier. Ah oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est peut-être parce qu'il fait des euh, shout-out à chaque fois que je raid chez lui. <laughs> Mais non, je sais pas, il m'a peut-être fait un raid une fois ou deux, mais euh, c'est en fait, c'est surtout moi, parce que lui, il commence plutôt que moi, et il finit après moi. Du coup, euh, voilà. Mais, euh, mais bref, nous, on va parler du projet choc de Gabriel Attal. Attente. <laughs> Gabriel Attente. C'est Gabriel Attente. Il est Attent. <laughs> Pardon. C'était le plan choc de Gabriel Attal après l'attentat commis dans un lycée d'Arras, dans le Pas de Calais, par un élève, par un ancien élève, Mohamed Mugouchkov, sortir les mineurs radicalisés des établissements scolaires pour les regrouper dans des structures spécialisées. <laughs> What a mauvaise idée. What a bad idea. A bad idée. Sous pression de l'opinion, celui qui était alors ministre de l'Éducation nationale avait semblé, en octobre dernier, sortir cette mesure de son chapeau, comme de par magie. Cette annonce surprise avait soulevé moult interrogations. Comment imposer un tel bannissement à des mineurs en dehors de toute procédure judiciaire Faut-il vraiment regrouper dans un même lieu les enfants, des enfants qu'il s'agit de désendoctriner Bah non. Enfin, en fait, c'est quand même con. Enfin, je trouve ça. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Euh, oui, pardon, j'ai pas switché sur l'article, excusez-moi. Euh, C'est étrange que le gars euh, pense que ce soit une bonne idée de mettre toutes les personnes dans la même école, dans la même structure, alors qu'on sait que dans les prisons, les personnes qui sont emprisonnées se radicalisent encore plus parce qu'elles sont toutes regroupées au même endroit. Non mais. Sérieux les gars, juste. Depuis, plus rien n'a filtré de ce projet, même après la nomination de Gabriel Attal à Matignon en janvier, silence radio et pour cause. D'après nos informations, un rapport embarrassant est arrivé fin décembre sur les bureaux des ministres concernés, commandé à trois inspections générales, celles de l'intérieur de la justice et de l'éducation nationale. Il recommande de ne pas se lancer dans la création de tels centres pour élèves radicalisés. Confidentiel, le document a aussi fait l'objet d'une restitution orale lors d'une réunion interministérielle début janvier. Ici, on voit Gabriel Attal, qui est dans une classe du collège de Saint-Denis sur l'île de la Réunion le 17 août 2023, au moment où il était encore, euh, il me semble, ministre de l'Éducation nationale, vu qu'il a été nommé Premier ministre au début de l'année 2024. Gabriel Atteinte à l'Éducation, exactement. Il ressort des entretiens menés, et cela de manière unanime, qu'une prise en charge collective dans les établissements dédiés n'est pas souhaitable, peut-on lire dans une synthèse datée à la fin décembre Non, mais sans déconner à laquelle Mediapart a eu accès. Chose rare, les inspectrices et les inspecteurs généraux mobilisés, dont un ancien directeur général adjoint de la police nationale, issus de trois administrations aux cultures maisons parfois divergentes sur les enjeux des éducatifs et sécuritaires, sont en l'occurrence parfaitement alignés. C'est une mauvaise idée! <laughs> Ils font le constat de la robustesse de la pertinence des dispositifs en place pour repérer, signaler et suivre les élèves radicalisés, ainsi que celui de leur amélioration constante depuis 2015, donc depuis les attentats de 2015. Alors je sais pas, je me souviens plus, 2015 c'est Charlie Hebdo, hein, c'est ça Ouais, c'est doit de ça. Plutôt que des regroupements de mineurs radicalisés imaginés par Gabriel Attal, la mission propose l'alternative suivante... Instaurer pour ces élèves une procédure similaire à la construction du projet d'accueil individualisé, le PAI, le dispositif existant pour les enfants ayant des problèmes de santé qui leur permet de bénéficier d'aménagements et d'un suivi personnalisé, horaires adaptés, organisation de soins à l'extérieur de l'école, activités de substitution, etc. Il s'agirait d'un PAI MR pour mineurs rad radicalisés. Alors pourquoi pas Écoute, pourquoi pas Bonjour Grégory, comment vas-tu Trois ministères pour le résultat qu'on attendait en fait qui était évident. Hein. C'est évi évidemment pas une bonne idée. En même temps, c'est une idée de Capri à la dalle, donc ça peut pas forcément être une bonne idée. Ah. Mm. Salut Manon, ça va Alors je vais pas faire un oué Charlie euh, euh, au centre de retraitement des déchets nucléaires pour te répondre parce que <laughs> je me suis dit, je vais pas lui répondre en ligne, je vais lui répondre aujourd'hui maintenant. <laughs> On parle de mineurs radicalisés et d'un projet pourri de Gabriel Attal pour, euh, pour changer, parce qu'il n'a que des projets pourris. Donc voilà. On parle de quoi C'est les élèves radicalisés, projet choc de Gabriel Attal, qui a, qui a juste été retoqué par trois ministères. Voilà, on va parler... Aujourd'hui, on parle du gouvernement et euh, des décisions du gouvernement sur l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche, pour rester un peu dans, un, dans une thématique spécifique. L'individualisation de la prise en charge rendrait possible l'intervention d'associations qui aujourd'hui ne sont que peu ou pas associées à l'accompagnement des mineurs en milieu scolaire, de même que le recours à des éducateurs et éducatrices de la protection judiciaire, de la jeunesse, la PJJ, formés sur le fait religieux et la radicalisation, ou encore à des psychiatres. Silence dans les ministères. Alors que l'arbitrage est censé revenir à Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, son cabinet n'a pas répondu à nos questions sur le devenir de l'annonce faite par Gabriel Attal, déjà contrainte de manger son chapeau sur le sujet de l'uniforme, proposition soutenue par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, à laquelle Nicole Belloubet s'opposait en 2016. Que dira-t-elle au sujet des élèves radicalisés Lorsqu'elle était garde des sceaux, cette ancienne rectrice rappelait régulièrement l'importance du respect des processus judiciaires et éducatifs dans la prise en charge de ses profils. Donc en fait, elle est contre elle aussi. Bon, hein. Bonjour, Polo Yololo. Bienvenue parmi nous, merci pour le follow. C'est le terroir français, les projets qui puent comme pour les fromages. <laughs> Interrogée en décembre 2017 sur les cas des mineurs revenant d'Irak et de Syrie. Nicole Belloubet plaidait ainsi pour un retour à l'école de ces jeunes en voie de radicalisation, par ailleurs accompagnée 24 heures sur 24 par des éducateurs qui se relaient en permanence auprès d'eux. Donc en fait elle est contre, <laughs> elle est contre depuis 2017 au moins, mais euh, maintenant c'est elle la ministre et donc c'est elle qui va devoir gérer les conneries de Gabriel Attal. Également sollicité les cabinets de Gérald Darmanin et d'Éric Dupont-Moretti, donc l'intérieur et la justice, ne nous ont pas répondu. Mais auprès de Mediapart, une source gouvernementale s'efforce de relativiser l'importance du rapport remis fin décembre, affirmant qu'il s'agit de travaux intermédiaires. Certes, ils ont été lus avec beaucoup d'attention et d'intérêt, mais rien n'est tranché ni écarté pour autant. Les ministères concernés travaillent en interministériel pour creuser les, différents les différentes options. Indique euh, cette même source, les trois inspections mobilisées qui, sont, qui ont multiplié les auditions dans les rectorats, les juridictions et les hautes sphères des services de renseignement n'auraient donc pas encore donné assez de profondeur à leurs réflexions. Salut Nilith et ça fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Il a fait sa scolarité. Il l'a fait où, sa scolarité, euh, ce, ce gars-là Gabriel Attal Gabriel Attal il a été à Stan, j'imagine, comme tous les autres. Au départ, euh, qu'avait imaginé Gabriel Attal exactement Je crois profondément au rôle de l'éducation pour faire reculer la radicalisation, avait-il déclaré sur France 2 en octobre dernier. Mais il est des situations où il y a un tel embrigadement familial et d'environnement qu'on ne se bat plus à armes, à armes égales. Ah oui, l'école alsacienne, merci Grégory. <laughs> Ouais, c'est pas forcément mieux que Stan, hein, j'avoue. Mais euh, c'est pas. Euh, L'école alsacienne, c'est pas après le. Euh. <laughs> je te con... sympa comme conseil d'entendre une gauchiste commenter l'actualité. Wesh, <laughs> ouais, je, je suis gauchiste. Salut Cyprine, comment vas-tu Ça faisait longtemps aussi. <laughs> je suis une gauchiste. L'école alsacienne, euh, ouais, non, mais c'est ça, c'est. Ouais, ou alors, enfin, ouais, c'est qui me connaît pas encore non plus très bien. Mais oui, si, si, je suis une gauchiste, t'as raison. Alors, attends voir que je commente l'actualité de la France Insoumise, ça va être marrant. Euh, alors, mais il est des situations, j'ai déjà dit. Ainsi, quand les personnels signalent des élèves qui constituent, selon eux, potentiellement une menace, le principe de protection que je veux appliquer fait qu'on doit trouver une autre solution. L'État ayant l'obligation de scolariser les enfants jusqu'à 16 ans, on doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir, insistait Gabriel Attal. Non, non, laisse-le pour l'instant, t'inquiète, on va voir jusqu'où il va. On ne veut pas la révolution prolétarienne à ma connaissance. Non, j'en suis pas arrivée à la révolution, parce que je ne je suis pas révolutionnaire en vrai, parce que je pense que la révolution, c'est juste un retour euh, au point de départ. Pour l'instant, il a rien dit de mal, on verra. Euh, bonjour R1, bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Oui, d'accord, ok. Donc parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui viennent ici qui disent ouais, euh, c'est patriote ici. <laughs> Et on est là, ouais. <laughs> non, ouais, non. Enfin, c'est pas une question de patriotisme ou quoi. <laughs> c'est juste une question de. On n'est pas du tout rassemblement national ici. Hein. Voilà, soyez bien informés. Pas du tout, du tout. Ah. C'est pas la droite ici. C'est plutôt pas la droite. On va dire, c'est pas la droite. <laughs> Déjà. <laughs> Yay. <laughs> Vive la France. <laughs> mm. L'État ayant l'obligation de scolariser les enfants jusqu'à 16 ans, on doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir, insistait Gabriel Attal. Le public visé serait ainsi constitué d'élèves jugés inquiétants ou inquiétantes dans les établissements sur la base de signaux parfois extrêmement faibles, signalés aux cellules préfectorales chargées de la prévention de la radicalisation, mais dont le comportement n'aurait donné, donné lieu à aucune prise en charge judiciaire, autrement dit, sans éléments susceptibles de caractériser la moindre infraction. En France, par ailleurs, s'il est possible de placer un ou une mineure dès lors qu'il ou elle est en danger dans sa famille, c'est uniquement sur décision d'un ou une juge des enfants, selon les critères strictement définis. Je me suis fait maudoyer hier sur Baxid pour avoir dit social-démocratie comme si c'était une insulte sérieux. Pourquoi ce serait une insulte Enfin, je, hein Non, mais sérieux Contre son, contre son, non, mais je, pas. Bah, ok. Social-démocratie, c'est une insulte. Bah écoute, peut-être qu'ils ont mal lu. C'est euh, bizarre. Bad life. <laughs> t es, t es pas, tu t'es pas fait bannir, tu t'es juste fait modérer, j'espère, parce que bon, quand même. En l'état du droit, les inspecteurs en ont déduit que l'accueil dans les centres proposés par l'ancien ministre de l'Éducation ne pourrait se faire que sur la base du volontariat des enfants et des familles. Euh, ce qui limite sacrément les perspectives, en tout cas celles qui avaient l'air d'envisager Gabriel Attal en évoquant des situations où il y a un embricadement familial. Oh non, pas ban définitivement, mais non. Oh non, la tristesse. Bah t'as plus qu'à créer un nouveau compte, quoi, <laughs> du coup. Non, 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 laisse Cyprien, moi je l'aime bien, Cyprien. Elle est gentille, on la garde. Elle est gentille, on l'aime bien. Non, ça fait chier quand même de se faire ban comme ça. Ouais, ça a modéré grave. Après, c'est peut-être ton pseudo qui a pas été. Euh... Ils sont pas féministes, les gars. <laughs> Ils n'ont pas compris. Cyprien qui parle de social démocratie, ça, ça fait trop. Ça fait trop. C'est trop. <laughs> ça, fait, ça fait beaucoup trop. Ou 666 peut-être aussi. Tu vois, t'as le la totale, quoi. Non, non, on la garde, moi, je ne je mets pas de vote, là, je décide toute seule, je m'en fous. <laughs> Après, il y a une chance que ce soit juste une bavure policière. C'est possible Écoute, écoutez Écoute-le, écoute d'ailleurs, bonjour, Elioukan Contre-productif. Nombre d'acteurs entendus par la, par la mission ont par ailleurs estimé que le fait de rassembler dans un même lieu des adolescents ou des adolescentes radicalisées à de degrés divers ou en voie de radicalisation seulement risquait de se révéler contre-productif. D'autant que la sécuration... Alors, il y a des moments où je vais faire, euh, je vais faire la dictatrice ici, t'inquiète. C'est genre euh, protéger, les... protéger les populations qui doivent euh, être protégées. Par exemple, Cyprine 666, nous la protégerons ici. Elle sera toujours euh, une population protégée. <laughs> non, non, on la garde. Euh, donc je disais, nombre d'acteurs entendus par la mission ont par ailleurs estimé que le fait de rassembler dans un même lieu des adolescents radicalisés, des adolescentes radicalisées, à des degrés divers ou en voie de radicalisation seulement risquait de se révéler contre-productif, sans déconner. D'autant que la sécurisation de telles structures devrait s'opérer avec des pouvoirs dûment limités, sans commune mesure avec les surveillances et contrôles autorisés, par exemple dans un centre éducatif fermé où de jeunes délinquantes et délinquants sont placés par un magistrat. Le processus de radicalisation relevant de logiques extrême, euh, extrêmement diverses, il suppose enfin des réponses non pas collectives, mais les plus individua individualisées possibles. Les principaux arguments relevés pour écarter l'idée de centre dédiés sont ainsi de nature juridique ou sécuritaire, résument les auteurs de la synthèse à laquelle Mediapart a eu accès. Alors, Nili raconte qu'elle s'était fait ban pour avoir signalé que, quand même, Macron, qui dit que la liberté vient du travail, c'était chaud j'avais fait appel et c'est passé. Maintenant, je sais qu'il faut pas dire que les néolibéraux c'est des fachos qui s'assument pas sans le dire explicitement. Je me suis jamais fait ban, pourtant ce genre de truc que je suis capable de dire. <laughs> tu t'es fait ban d'une chaîne des proto sur laquelle tu n'es jamais allé. Sérieux? Tu, tu peux te faire ban d'une chaîne sur laquelle tu vas pas. Hmm. C'est préventif, c'est ça. Il y a une liste de ban ou un truc dans le genre, ça existe ça. Eh, regardez qui arrive. Oh bah, bah tu t'es pris la table là. <laughs> bonjour mon loulou chat. Tu viens là Tu viens dire bonjour Tu viens dire bonjour chaton Non, tu dis pas bonjour. Okay. D'accord, bah ça existe. C'était bon à savoir. Je savais pas. Je ne savais pas regardez, oh petit chat. Bonjour le Ah, c'est l'heure de la toilette. On va lui laisser sa petite intimité, hein Hein Je suis modératrice de la chaîne Niorziane qui est dans le groupe Protopote. D'accord, mais je sais je ne connais pas Protopote. Peut-être que c'est pas une grosse perte s'il tombe banni. Alors face à de telles conclusions, pourquoi l'exécutif insisterait-il Il semble qu'à Matignon notamment, la directrice adjointe de cabinet, Fanny Hanor, ancienne directrice de cabinet de Gabriel Attal à l'éducation nationale, ait du mal à renoncer à toute expérimentation et à une idée que le grand public pourrait juger de bon sens. Fanny Hanor, retenez ce nom, à mon avis, on va en entendre parler dans les prochains dans le prochain mois. <laughs> Bonjour Rature, soyez partage. Les bannes avec d'autres chaînes soit une réputation et ils de préventivement. Ah ouais? C'est pas, pas un gaucho, mais c'est pas non plus un facho. Hmm. Cette ancienne de l'Institut Montaigne, qui avait participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017, a en tête une expérience oubliée lancée en 2010 par le gouvernement Fillon et rapidement enterrée par la gauche. Les établissements de réinsertion sociale, les ERS, où ont été placés des élèves perturbateurs et poly-exclus, avec l'accord de leur famille, un modèle, un échec, répondent plusieurs acteurs ayant participé à cette tentative. L'idée a été vite enterrée sous François Hollande, non parce que c'était la gauche, mais parce que ça ne fonctionnait pas, ce qui a d'ailleurs été acté dans un rapport d'inspection publié en 2012. Mais les recommandations faites en décembre dernier par les inspections sur la prise en charge des élèves radicalisés à base d'amélioration des dispositifs existants, GED, CPRAF, encore plein d'acronymes que je ne connais pas, ou encore de densification des formations des personnels, ont sans doute l'inconvénient d'être assez peu spectaculaires. Je l'ai dit, c'est un article de Mathilde Mathieu et Anton Rouget sur Mediapart. Et bonjour Albataru, comment vas-tu Les modofoule normie extrême centriste, ça existe. Alors, il y, y a des gens extrême centristes. Pour moi, c'est des fachos, tu vois. il y a des gens tu, quand ils commencent à dire oui, mais tu comprends, il faut parler avec les fascistes et les défendre, et euh, défendre tes idées sur le... Alors, c'était le, 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 le sketch, là, de... Le sketch sur le punch nazi, qui est toujours très très bien. Il est toujours d'actualité. Mais euh, que non, tu vas pas débattre avec des fachos, quoi, c'est tout. Bon, après, bah si il a l'avantage de jamais inviter des gens d'extrême droite dans sa chaîne. C'est un truc qu'il a jamais fait. Non, on ne banne pas Cyprien Qui a lancé ce sondage Mais n'importe quoi, enfin Je... Enfin Qu'est-ce que je dois faire pour. Euh... Non, on l'adore. Ah oui <laughs> D'accord <laughs> J'étais je... <laughs> à deux doigts de dire Comment j'annule ce sondage <laughs> Ouais, non, mais c'est bon, les deux réponses sont bonnes. <laughs> Extrême-centre, c'est un autoritarisme assez radical, on est d'accord. Salut, DS Lionel, comment vas-tu un de quoi, je pense qu'il faut surtout arrêter de vouloir mettre les gens dans des casques comme si la vie était tout noir ou tout blanc aussi. Alors ça, je suis d'accord, mais il y a quand même les fachos. <laughs> je vais toujours d'accord, ok. Je, je note, je note. C'est très bien, ça me va très bien. Non, mais si, 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 il n'y a pas de problème. Enfin, à moins que... <laughs> il y a Garp qui a mis 4800 points pour mettre plein de... <laughs> Plein de noms, on l'adore. <laughs> Je crois que vous avez tous voté pour garder Cyprine. Non mais sérieux. <laughs> si, si, tu peux recommencer, ça me fait marrer. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas t'empêcher de, de faire ce genre de conneries. Ça me va très bien. Si c'est dans cette, dans cette dynamique-là, il n'y a pas de souci. Euh, bref. Pour continuer dans cette même... Dans cette même... Direction, on va continuer. Donc, je disais qu'on allait parler d'enseignement supérieur et d'éducation nationale. Alors, on va continuer sur l'éducation nationale parce que là, j'ai un article qui a été envoyé. Il me semble... Alors, je sais plus qui est-ce qui l'a envoyé. Je crois que c'est Franck, mais je ne suis pas sûre. Un article du Café Pédagogique qui parle de la suppression de fonds. Parce que du coup d'un côté ils disent ouais, il faut qu'on crée des écoles spécialisées machin et de l'autre en même temps ils disent ouais mais on va supprimer de l'argent quand même parce que enfin voilà donc en fait ils enlèvent les ils enlèvent tout moyen pour l'éducation nationale de, de faire face à des situations euh, comme celle-ci délicate où vous avez des élèves de radicalisés mais en fait enfin ils, ils, ils se retirent tous les moyens de le faire donc c'est assez euh, paradoxal mais en même temps c'est notre gouvernement hein. c'est euh, toujours euh, le paradoxe gouvernemental désolé je parle déjà pas. <laughs> Pourquoi je parlerai à tes fachos <laughs> Moi, ça va. Moi, ça va. T'as été. Alors là, Cyprienou, et tu as été publicité par le chat. Tu, tu vas rester à vie dans, cette, euh, dans, dans ce live. Tu viendras tous les jours maintenant. <laughs> Il y a bien des gens qui parlent à leurs plantes pour leur diffuser des ondes positives afin de les aider à pousser. Alors, je sais pas si. Euh, ouais. Les fachos, font enfin, qu'ils sont humiliés en direct, je ne sais pas si c'est efficace. Ben bah non, ça en fait des, des, des satires. Non, des martyrs. Des, satires. des martyrs. Il y a les fachos, ceux-là, il faut les bâcher avec amour jusqu'à ce qu'ils se rendent. Et il y a les camarades, c'est ceux qui aident à abolir l'État et le capital. C'est des catégories générales, ce pas des cases noires ou blanches. En effet. 700 millions supprimés du ministère correspond au coût du NR. Alors ça, j'en sais rien. Donc ça, ça veut dire qu'il est 9h. Euh, donc près de 700 millions supprimés à l'éducation nationale, un article qui a été publié, mis à jour le 23 février, le décret annulant 10 milliards de dépenses est paru le 22 février au journal officiel. L'éducation nationale rend 692 millions essentiellement destinés à financer des emplois, cela pourrait signifier 2620 postes d'enseignants qui ne peuvent plus être financés dans le premier degré public, 1740 dans le second degré public et 1760 postes dans le privé. Enfin, l'équivalent de 4600 postes d'aide, enfin euh, c'est AED, c'est les, euh, les aides à l'éducation, euh, je ne sais plus, AESH, c'est les personnes qui aident les personnes en, en situation de handicap, ne pourraient aussi ne pas être financées. Selon le ministère, ces crédits sont ceux du fonds de réserve et leur annulation n'a aucun impact sur les emplois. Comme si ces sommes n'étaient pas utilisées pour payer des enseignants en fin d'année normale et nécessaires à la mise en place du choc des savoirs. Pour les syndicats, il est clair que sans ces 700 millions, il est impossible de mettre en place la réforme du collège, sauf si le gouvernement envisage de réformer aussi les obligations du service ou la carrière des enseignants. C'est. Euh... Bonjour, Don Shark Ça coûte combien le SNU Vous savez Vous savez ou pas 8 milliards le SNU, merci, Don Shark. 8 milliards, c'est pas 700 millions. Hein. C'est. C'est. C'est euh... 9... 9 fois 700 millions, à peu près. On les a quasiment... Ouais, t'as raison. T'as raison. Voilà, c'est... Et c'est ce qui contribue à faire le trou, là, de 3... On en parlera. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va parler d'économie, et on va parler de euh, Bruno Le Maire. Mais pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Mais promis, on va en parler. J'ai plein d'articles, là, sur euh, Bruno Le Maire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en envoyer. Revenez, venez, revenez. Revenez Venez sur les serveur Discord <laughs> Si vous souhaitez euh, si vous souhaitez euh, transmettre des articles sur justement notamment euh, le la réduction du euh, du, du de la l'augmentation la, pardon de la dette euh, du pays ça je pense que euh, vous vous en avez quelques uns à envoyer j'ai vu passer plusieurs articles sur ce sujet là mais je suis pas sûr qu'on les ait ici mais euh, mais ouais, là, ce, celui là enfin cette, cette on va on va parler de Bruno Le Maire voilà je vais reprendre euh... <laughs> c'est Non, mais ils aiment pas parce qu'ils. Non, mais c'est pas qu'ils s'en vont, c'est qu'il est 9h. Je pense à 9h, tu sais, il y a des gens qui partent euh, travailler, ils arrêtent, ils disent Ouais, il est 9h, allez, c'est bon, on s'en va. Et comme j'ai dit, il est 9h. Donc, euh, il est 9h, les gars. Si vous devez aller travailler, c'est maintenant. Sinon, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Il y a la team 9h qui va arriver comme disait euh, tout à l'heure. Euh, hier, euh, Marcel, sur son live, il disait Ouais, la team 9h, vous vous êtes fait discret. Euh, c'est la team 9h qui est arrivée et en même temps il y en a certains qui s'en vont parce que bah c'est la team 8h. Euh, ouais, trigger warning le maire, la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Non, parce que je suis en vacances, je vous ai rappelé. Euh, la semaine d'après, donc on en parlera la semaine du 15 avril. D'ici là, j'aurai le temps de faire un petit euh, capital d'articles à, à regarder. 700 millions annulés au budget 2024. Le décret par répartissant 10 milliards d'annulations de crédits est paru au journal officiel du 22 février. Tous les, Tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu'ils représentent euh, dans le budget national, avait dit Bruno Le Maire en présentant son plan d'économie le 18 février. Finalement, l'éducation nationale paie son dû avec 692 millions annulés dans son budget. Il faut donc y ajouter l'annulation de 500 millions du plan d'accompagnement à la transition écologique, qui devrait affecter dans une proportion qui reste à déterminer le plan vert pour améliorer la qualité thermique des écoles. On le sait, les écoles sont dans un, dans un très mauvais état. Euh, je vois décrit répartissant 10 milliards d'annulations de crédits, donc c'est bien. Là, on revient sur les 8 milliards euh, du SNU, en fait. C'est un peu stupide. De toute façon, globalement, les décisions gouvernementales sont tellement... Enfin, juste, bref. C'est très con. Tiens, c'est les retours du travaux, euh, des travaux du voisin. Sur les 692 millions, 479 sont inscrits au titre 2, c'est-à-dire servent à payer les emplois. Ainsi, 138 millions sont prélevés sur le premier degré public, dont 131 millions en titre 2. Ce sont 200, 2620 emplois d'enseignement qui ne sont pas financés. Dans le second degré public, 123 millions sont annulés, dont 87 en titre 2, soit 100, 1740 postes d'enseignants. La mission vide de l'élève doit rendre 262 millions, dont 164 en titre 2. Ce sont en environ 4600 équivalents d'emplois d'AED et d'AESH qui ne sont pas financés. AED, assistants d'éducation, les pions en gros, merci, Variceville, et bonjour. Et l'AESH, c'est assistant d'éducation, situation de handicap, je ne sais plus trop, mais c'est pour les élèves handicapés, hein, c'est bien ça. C'est AESH, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, je crois. Euh, ils sont très mauvais, ouais. Mais c'est gentil, ouais. Ils sont, ils, sont, ils sont idiots, ils sont stupides, ils sont incompétents. On peut dire tout ce qu'on veut hein, sur ce gouvernement, mais tout ce qui est négatif leur convient. Le privé est lui aussi touché avec 99 millions annulés, dont 88 en titre 2, soit 1760 postes. Enfin, le soutien à l'éducation nationale doit rendre 61 millions, mais ce ne sont pas des emplois. Une gestion d'amateur, on notera d'abord la légèreté de la gestion de l'éducation nationale. Il y a deux mois, jour pour jour, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la création de 2137 postes d'enseignants par rapport à, au budget 2024 prévu pour permettre l'application de ces réformes. Deux mois plus tard, il en, supprime, il en supprime plus du double. Les réponses du ministère, accompagnement des élèves en situation de handicap. Merci, Nilit, euh, pour la définition. Les réponses du ministère interrogées par le café pédagogique, le ministère fait savoir que les crédits en titre 2 annulés sont des crédits mis en réserve donc dont ne disposait pas le ministère. Ce sont des crédits gelés en début d'année pour faire face à des aléas. Les annulés n'ont donc aucun impact sur les emplois, cela n'aura donc aucun impact sur les annonces déjà faites concernant la rentrée scolaire ou sur le choc des savoirs. Certes, ce ne sont pas des postes actifs qui sont supprimés comme a pu le laisser penser un premier article, et il y a bien des crédits mis en réserve dans les ministères. Mais cela ne veut pas dire que le budget voté dépasse les besoins. En année normale, le ministère pioche dans ses réserves pour assurer la rentrée et la paye en fin d'année. S'il rend de l'argent en fin d'année, comme cela s'est vu encore en 2023, ce n'est pas 700 millions. Dans ce cas précis, le budget a été conçu en juillet et adopté à l'automne, c'est-à-dire bien avant la réforme coûteuse du choc des savoirs, celle-ci nécessite des moyens supplémentaires, aussi si les emplois correspondant aux 479 millions supprimés en titre 2 ne sont pas indispensables immédiatement, ils vont manquer à la rentrée pour la mise en place du choc des savoirs. Je ne sais pas ce que c'est le choc des savoirs. Là, je aucune idée de ce que c'est. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler pour savoir ce que c'est. T'as un rapport du Sénat qui évalue le SNU environ 2 milliards par an, si généralisé. 8 milliards, c'est le coût total estimé en fin de législature. Ok, ouais, donc c'est pas 8 milliards par an, c'est 2 milliards par an, du coup. Si généralisé, donc c'est pas tout à fait 2 milliards par an, on est plus sur un milliard par an. Mais ça fait quand même beaucoup, hein? Je dirais, je dirais, je sais pas, 2 milliards, 1 milliard, j'en sais rien. Si généralisé, il n'a pas été généralisé le SNU déjà vers l'annulation des réformes Attal, car ces annulations de crédit touchent donc de plein fouet les réformes lancées par Gabriel Attal. La mise en place des groupes de niveau doit consommer près de 7000 postes. Les ministères, le ministère pensait le faire avec seulement 2300 emplois. Il vient de se priver de toute marge de manœuvre. Il se prive aussi des moyens nécessaires à la revalorisation des enseignants. Les conditions semblent réunies pour un report des, des réformes Attal. On, on ne réforme pas l'éducation nationale en supprimant les moyens ou alors le ministère envisage-t-il d'accélérer des réformes structurelles, notamment sur la carrière des enseignants, comme nous l'évoquions le 19 février Le gouvernement a encore le temps d'aller voir cette voie, c'est ce que laisse entendre la SGN CFDT. Pour les syndicats, le retrait de 700 millions sonne la fin du choc des savoirs. Le ministre des, de l'économie annonce des suppressions de postes dans l'éducation nationale dans l'éducation quelques semaines après l'annonce de la création de pour permettre la réalisation des mesures annoncées par le ministre de l'éducation nationale devenu depuis chef du gouvernement. On s'y perd, écrit l'Unsa éducation. Avec ces coupes budgétaires, le gouvernement renonce dans les faits à une mise en place réelle des mesures du choc des savoirs à la rentrée prochaine et doit l'annoncer sans délai. Sous peine de décrédibiliser l'action publique et la parole politique. Oui, un euro dépensé pour cette nuisible blague, c'est déjà trop, on est d'accord, hein, le SNU c'est vraiment un truc. Euh, c'est vraiment un truc de. <laughs> J'allais dire c'est un truc de droite, mais on va pas mettre les gens dans des cases. C'est un truc de merde, <laughs> du coup. <laughs> c'est vraiment un truc de merde. Pour l'instant, la participation est et au SNU est basée sur le volontariat. Ah, d'accord, c'est pas obligatoire, je savais pas. Ça reste quand même un truc de merde. C'est de la commande publique pour payer des uniformes à des boîtes privées, payer des anciens militaires qui en ont marre de l'armée et cherchent un endroit où ils auront l'air important et utile, et ça sert aux différentes administrations locales qui en abusent pour encadrer certaines activités trop coûteuses pour des fonctionnaires aussi oh, c'est de la merde, quoi, en gros, on est d'accord. Je euh, refuse que mes par les enfants participent au SNU, alors ça c'est tout, tout un honneur, et pourquoi tu, tu, tu précises dans le format actuel parce que si ça changeait de format, tu veux dire que ce serait possible ça change de format et là tu dirais ok pas de problème pour que mes enfants y aillent. Genre c'est peut-être si c'était un genre un service civique plus euh, sur la forme d'un d'un stage mais rémunéré euh, et à disposition euh, de mise à disposition des élèves pas sur le format militaire mais plus sur le format social où euh, les élèves ou les enfants iraient à, à, à à la rencontre de personnes en difficulté ou pour aider, je sais pas, à des refuges animaliers ou des EHPAD ou ce genre de trucs, peut-être que là ce serait plus pertinent, non, c'est ça Et salut, moi c'est Faye Comment vas-tu Bienvenue parmi nous. C'est un stage obligatoire de 4 semaines dans les hôpitaux chez les pompiers pour faire des activités écologiques. Ok, on est d'accord. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Ok. Je, je, je valide. Parfaitement euh, d'accord. Complètement aligné avec toi, Manon. Un plan de déractiquisation du gouvernement. <laughs> on les met tous dans la même pièce. <laughs> Ce serait contre-productif, on est d'accord. <laughs> Un truc de réac et de capitalisme, il va falloir reconstruire les solidarités d'objecteurs de conscience. Ouais, carrément, ouais. Voilà une idée qui est bonne. Hein, on est d'accord, c'est une bonne idée. Hein. Euh... Euh, alors j'en étais où Alors cette saignée confirme une fois de plus le renoncement de ce gouvernement à recruter des personnels en améliorant leurs conditions de travail, de rémunération, d'avancement pour rendre les, les professions plus attractives et garantir la bonne réalisation des missions de service public auprès de tous les élèves, écrit le SNES-FSU. Elle révèle aussi définitivement l'imposture des annonces Choc des savoirs de décembre dernier par lesquelles le ministre Attal, devenu depuis chef de gouvernement, prétendait pouvoir mobiliser de la masse salariale dans un schéma d'emploi complémentaire aux besoins avec la bienveillance de Bercy. Le Choc des savoirs et ses groupes de niveau ségrégatifs et désormais officiellement sans moyens doivent être abandonnés. Le gouvernement fait le choix de supprimer des crédits permettant de payer celles et ceux qui enseignent, encadrent les élèves dans les services de vie scolaire, se préparent au métier d'enseignant, organise concrètement le service public d'enseignement et fait vraisemblablement, en fait vraisemblablement, écrit le SGEN le CFDT. Il n'y a pas la réalité budgétaire en cohérence avec la volonté d'afficher d'avoir un professeur devant chaque classe, et sans doute les difficultés à assurer l'enseignement seront-elles encore plus? forte à la rentrée 2024 pour le SGEN CFDT. Si la tactique du gouvernement est ensuite d'augmenter la charge de celles et ceux qui sont en poste par le recours accru aux heures supplémentaires, au pacte à la non comptabilisation des heures travaillées, les administratifs, ce serait parier sur l'épuisement des agents. Des, des annulations antisociales, tu perds ton sang-froid. <laughs> Pardon, désolé, <laughs> c'est obligé. Tous les ministères n'ont pas à subir des annulations comme l'éducation nationale. La défense aurait dû rendre 750 millions, elle n'en rend finalement que 105. Bah oui parce que bon, hein, le SNU, <laughs> du coup. L'intérieur est aussi peu concerné, sont particulièrement frappés, l'aide au développement, 742 millions. L'enseignement supérieur, 904 millions annulés. L'écologie, 2,2 du, du... milliards annulés, dont un sur le plan climat-énergie, parce que l'écologie, on s'en fout. Les deux logements, 300 millions. Le handicap, 230 millions. Les aides à l'emploi, 1,1 milliard d'aides à l'emploi sucrées. Pour récupérer 10 milliards, le gouvernement tape sur le social, dont l'école, ce n'est pas une surprise. Non mais sérieux, sans déconner, sérieux, sans déconner. Je suis hallucinée, quoi c'est dingue, juste, enfin euh, bref, enfin c'est dingue. Non, parce que c'est la réalité, c'est ce gouvernement-là qu'on a aujourd'hui, c'était évident qu'ils allaient sucrer euh, toutes ces aides-là, en fait, c'est vraiment plus dans le social, dans l'écologie, tout ce qui est environnemental, bah, bien sûr, évidemment. Un article de François Jarreau pour le Café Pédagogique, merci à lui pour euh, cette, euh, cette prise de parole. -là. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le sujet Alors je sais pas si on va parler d'enseignement supérieur encore ce matin parce que finalement, sur l'éducation nationale, il y en a quand même pas mal. Oh putain, c'est tellement la loose de ce gouvernement. Alors attends, parce que j'en ai un là. J'en ai un intéressant qui dit. La fonction publique, j'ai rerangé. Hein, je vous avais dit, euh, j'ai rerangé euh, les articles pour euh, pour que ce soit plus facile de trouver euh, des, des articles sur des thématiques spécifiques. Donc, je sais qu'il y a tout un truc sur Bruno Le Maire. Bref, il y a un truc sur la fonction publique qui peine à recruter. Je vous propose qu'on lise ça parce que c'est intéressant. De toute façon, tout est intéressant, mais celui-là est intéressant. La fonction publique qui est aussi euh, touchée par les difficultés de recrutement. Comme de par hasard, comme de par hasard. Attends, il est là, il est là. Donc, il a été. On nous a transmis ça. Merci à Red Shadow cette fois-ci qui nous a envoyé cet article. J'ai pas, euh, j'arrive plus à suivre le chat si vous êtes trop nombreux. Mais c'est pas grave. <laughs> Je vais pas me plaindre que vous soyez nombreux. Euh, mais j'arrive pas à suivre ce que vous racontez. Donc les pouvoirs publics n'auront pas accepté que je les dirigeants. Euh... Pourquoi je suis pas au boulot Je commence à 9h30 ce matin. Bonjour Emerald, ça va. Un article des échos euh, du... Euh, C'est le dernier article qu'on lira ce matin du 5 mars 2024. Bonjour, amour de ma vie. Bonjour. T'as bien couru. Oui, j'ai bien couru. C'était bien. Oui, je dégouline et je pue. Ah <laughs> Salut, va prendre une douche, tu pues. Oh, putain. Oh, putain. putain, putain. Euh... La fonction publique aussi est touchée par des difficultés de recrutement. Non, c'est vrai qu'il qu sent, le... Il... Il sent la transpiration, mais là, c'est assez impressionnant. Un article du 5 mars 2024, vous n'avez pas l'odeur. Euh... Vous n'avez pas l'odeur. C'était... C'était un bisou désiré, pas de problème, c'est moi qui l'ai demandé. <laughs> Mais je m'attendais pas. À... Je m'attendais pas à ça. <laughs> un, un article de Leila de Comarmon sur les échos, publié le 5 mars 2024. Donc. Près de 800 millions d'euros d'économies sur la masse salariale de la fonction publique vont contribuer au plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc on a vu, c'est 692, et pas euh, 800 millions, mais sur la masse salariale de la fonction publique. Alors c'est 692 sur l'éducation nationale, mais 800 millions sur la masse salariale de, de, la, de la fonction publique, ça fait euh, du coup euh, beaucoup plus. Enfin, euh, pas beaucoup plus, mais un peu plus. Euh, pas question cependant pour le gouvernement de passer par un collectif budgétaire, donc de réviser à la baisse des créations nettes de postes inscrites dans la loi de finances initiales pour 2024, 8301 emplois en équivalent en plein, dont plus de 80% pour l'État, 6731. Mais jouer sur les vacances de postes permet de s'en passer. J'ai je, je, des gros doutes jouer sur les vacances de sur les postes vacants, ce qui est un outil de pilotage de la masse salariale qui ne dit pas son nom peut cependant être aussi la conséquence d'éléments extérieurs. La fonction publique n'est en effet pas épargnée, elle aussi par les tensions sur les recrutements. On saura ce qu'il en est à la fin du mois pour ce qui est de l'exercice 2023, mais la loi de règlement sur du budget 2022 illustrait bien ce phénomène pour ce qui concerne la fonction publique de l'État, alors que le gouvernement avait prévu une quasi Stabilité de ses effectifs dans la loi de finances initiale, plus 767, elle faisait état d'une baisse de près de 6000 emplois. Le phénomène était aussi présent en 2021, montre le dernier rapport annuel de la fonction publique. Niveau historiquement bas du taux de sélectivité, comme en 2019 et en 2020. Sur les 39 900 recrutements externes programmés, 8% des postes n'ont pas été pourvus en 2021. De surcroît, le nombre des inscriptions au concours externe est, est, re, est, est reparti cette année-là à la hausse, mais pas suffisamment pour, devenir, euh, pour revenir au niveau d'avant le Covid, plus 8,2%, après moins, moins 10,6%. Le niveau de sélectivité des recrutements externes est donc resté à un niveau historiquement bas, avec même pour les emplois de catégorie B une baisse du taux de sélectivité, nombre de présents au concours pour un ennemi. Depuis 2007, la sélectivité a été divisée par deux au concours externe, souligne le rapport annuel de la fonction publique. Du coup, ça veut dire qu'on est moins regardant sur les professions, euh, les personnes qu'on embauche. Situation très hétérogène dans l'éducation nationale, première employeur de l'État, à la rentrée 2023, 3163 postes d'enseignants n'ont pas trouvé preneur, sur plus de 23 800 postes proposés au concours. Des données globales qui recouvrent des situations très hétérogènes selon les disciplines, avec un problème récurrent en maths ou en allemand mais aussi un déficit pour la première fois en espagnol. On n'a pas assez de profs d'espagnol, on n'a pas assez de profs d'allemand, on n'a pas assez de profs de maths. Puis les Français sont nuls en maths en plus, c'est ce qu'on avait, ce qu avait lu une fois il n'y a pas très longtemps. <laughs> eh bien, bon cours Nilit, c'est gentil, merci de rester sur le, sur le stream. C'est assez paradoxal, ouais, que la fonction publique n'arrive pas à recruter. Bah après, il y a aussi le, 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 les salaires, finalement. Les salaires sont vachement bas. Le, le, les dégradations des conditions de travail, oui, aussi. Euh, quand as des bâtiments tout pourris, que tu as euh, des, euh, des insultes permanentes, que tu peux pas faire ton métier correctement parce que tu euh, t'es pas safe dans ton taf. Euh, quand tu vois aussi euh, les morts des différents enseignants euh, qui font la une des journaux, euh, c'est pas forcément très agréable et t'as pas forcément envie de faire le taf, quoi. Les hôpitaux et les collectivités locales qui alimentent largement la hausse des effectifs de la fonction publique sont également confrontés à. Attends, je un truc parce que du coup, c ça. Okay, euh, Sont également confrontés à des difficultés de recrutement. Les secondes le sont d'autant plus qu'elles font face à un important vieillissement de leur personnel, donc de départ en retraite. D'où l'importance du rapport qu'a publié en décembre le Centre national de la fonction publique territoriale sur les métiers en tension. Impact sur la continuité du service public. Au total, 64% des collectivités interrogées dans son enquête ont indiqué au moins un champ professionnel en tension. Au top 5 figurent les animateurs éducatifs en périscolaire, les agents techniques polyvalents en milieu rural, les ouvriers de maintenance des bâtiments, les animateurs enfance-jeunesse et, en et les agents de restauration. Près d'une collectivité sur deux déclare que la problématique des métiers et des compétences en tension impacte d'ores et déjà la continuité et la qualité de leurs services. Et oui, c'est la loose. La fonction publique, c'est la loose. L'État fait de la merde. Le gouvernement ne fait que des conneries. On a bien compris que la France partait en couille. Enfin, bref. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme actualité là bah, je, je, je vais m'arrêter de toute façon pour aujourd'hui. Mais euh, on a d'autres sujets à aborder, notamment euh, le droit de grève qui euh, a fait l'objet d'un certain nombre de discussions, euh, de, de sa limitation. Et ça, ce serait aussi une catastrophe, bien sûr. Mais surtout, voilà, bref. On va continuer, terminer cette matinale sur une note euh... <laughs> sur une note joyeuse.

Pauvre Abisham! Euh, C'est la fin de cette matinale. Je vous remercie d'avoir encore une fois été euh, présent et, euh, et, et visiblement bien euh, attentif et attentive ce matin. Euh, comme euh, l'annonce le message épinglé, trigger warning pour la reprise de la matinale. Alors, je, je ne sais pas si on va parler direct de Bruno Le Maire, sachant que. Euh, alors, je vais juste vous donner une petite info comme ça. J'ai fait euh, le, le tour de toutes les actualités. On a euh, donc là, on a, on a réduit le nombre d'actualités françaises à étudier, mais on a 20, euh, articles, 20 articles à lire sur euh, l'actualité internationale. On en a 28 sur l'actualité française, on en a 14 sur l'environnement, on en a 31 sur le droit des femmes et des minorités, et on en a 17 sur sciences et technologies et divers. Donc ce que je vous propose, c'est que quand je reviendrai de mes vacances le 15 avril, on lira des actualités sur les droits des femmes et des minorités. Donc on reviendra à la charge sur ces, <laughs> ces articles-là. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté pour partager les actualités dont vous voulez qu'on parle dans cette matinale. Moi-même, j'en partagerai quelques-unes de toute façon. Il est parti en haillon, c'est pour ça que vous l'entendez peut-être un peu en fond sonore. En tout cas, euh, merci encore une fois d'avoir été présent ce matin. Je vous retrouve, je le disais tout à l'heure, le 15 avril pour une nouvelle matinale. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de vacances pour celles et ceux qui seront en vacances, parce qu'il y en a, vu que c'est des vacances scolaires et qu'une euh, fois n'est pas coutume, je prends mes vacances pendant les vacances scolaires. Si vous souhaitez suivre mon séjour à Cherbourg, vu que je pars pendant deux jours, visiter euh, notamment la centrale de le centre de retraitement de déchets nucléaires à La Hague. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous trouverez euh, le lien vers mon Instagram sur mon site internet, donc c'est florimarie.fr. Et euh, normalement je ferai, euh, je, ferai un, je, je, je ne sais pas si je ferai un récapitulatif de la visite, mais je ne sais pas si j'aurai le droit de filmer, probablement pas. Mais par contre euh, je, ferai, euh, je pense que j'aurai le droit de filmer euh, le, la visite du sous-marin peut-être, je ne sais pas encore. Ou au moins euh, des photos magnifiques de Cherbourg. Euh, on peut pas venir à Chabour avec moi, désolé. Désolé. Mais ce serait avec plaisir que je vous emmènerai dans, 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 dans ma valise avec euh, notamment ces, ces petits lives. En tout cas, euh, ces petits euh, réels. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là encore ce matin. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez parce que c'est important. Je pourrais faire des photos, ok. Je ferai des photos du sous-marin. Je vous embrasse très fort. Reprise des lives le 15 avril. D'ici là. Ah, mais vous bien je vous envoie quelque part je sais pas encore où mais je vous envoie quelque part bisous